Ben, les Living Labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être une organisation, un processus ou une méthodologie ou un projet en tant que tel. Fait que je pense que la manière de le voir, c'est les caractéristiques principales, c'est d'être multipartie, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table. Puis, qui ne sont pas habitués d'être ensemble d'habitude. Ouais. Non, qui ne sont pas habitués d'être ensemble puis qui ont différents points de vue en lien avec la situation. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté pas comme les ennemis mais les adversaires, et moi là je cite Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être en accord sur tout, mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en désaccord?